Bonjour, un nouveau service à Ancenis, ça s'appelle Épicerie 21, 1200 références et notamment des produits frais, locaux et du bio. Commande en ligne sur épicerie21.com, toutes vos courses. 2, vous venez chercher votre panier sur les points relais de 17h à 20h. Et 3, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Et donc l'idée de l'épicerie 21 au départ, c'est s'affranchir de la corvée des courses. Ça a commencé en janvier 2009 et puis là, on développe le service avec nos clients. En fonction de leurs besoins, on rajoute des produits au catalogue et on essaye de correspondre le plus possible. On n'est pas qu'épicière ici parce qu'on est chauffeur, livreur, réception de produits. On va chercher dans les exploitations les fruits et légumes. On a plus de 1200 références aujourd'hui. On essaye aussi de défendre des produits de qualité de la région. La moitié des produits sont dans une logique de consommation responsable. Donc soit pour leur intérêt écologique, soit pour le fait qu'ils aient aussi une démarche éthique. C'est dans une logique qui n'est pas jusque boutiste du bio, mais dans l'idée quand même d'un environnement plus sain, des équilibres sociaux plus respectés. Donc, pour passer commande sur Épicerie 21, on tape Épicerie 21 dans Google ou n'importe quel navigateur de recherche. On vous explique comment procéder. Et si par exemple on veut commander des produits frais, on a le défilement des produits avec leurs photos, le prix. Et l'intérêt de commander en ligne, c'est que l'on connaît l'addition de son panier avant de payer. Je prends quasiment tout. Moi, je fuis le plus possible les grandes surfaces, donc voilà. Après, on essaie de manger le plus correctement possible. Donc, l'idée d'avoir des produits sélectionnés à notre convenance, c'est un atout. Tout n'est pas forcément bio, mais déjà, le fait que ce soit local, c'est bien aussi, quoi.